Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui on est ici sur le stand d'Alcatel comme chaque année au MWC pour découvrir les petites nouveautés de la marque. La marque a donc présenté pas mal de petits produits et j'ai voulu m'arrêter sur deux de leurs produits cette année. Premièrement, la 5 LED qui est un nouveau smartphone entrée de gamme parce que vous êtes souvent à me dire « Mais tu testes que des produits super chers, on peut pas se les acheter, c'est pas bien. » Là au moins vous pourrez dire « Bon, c'est bon, ok, tu testes des produits peu chers, c'est bien. » Ce produit, c'est celui-ci. C'est quoi? Donc c'est la 5 LED qui, comme vous l'aurez compris, a un arrière totalement fait de LED. Alors à quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la face arrière qui est totalement faite de LED. Et en fait, directement, vous allez pouvoir avoir, dès que lors que vous allez recevoir une notification, avoir si c'est Facebook par exemple, eh bien le F qui apparaîtra. Si c'est Snapchat, le S qui apparaîtra, etc. etc. C'est super fun, ça marche super bien. Et franchement, c'est peu commun aujourd'hui d'avoir ce type de petite fonctionnalité et d'expérience sur un smartphone, surtout à ce prix-là. Ça le fait également, par exemple, quand vous allez écouter de la musique, eh bien les basses vont arriver à l'arrière, tel du boum boum boum, et bien vous aurez déjà besoin des petits graphiques qui viendront et ça se mettra en rythme avec la musique. Je pense que vos soirées en boîte de nuit, franchement, elles vont passer du level 5 au level 10. Il est également possible de prendre une photo et de retrouver les principales couleurs à l'arrière du téléphone afin d'avoir un mix entre la face avant et la face arrière. C'est également super intuitif et super fun comme petite fonctionnalité. Et enfin, certains thèmes sont disponibles sur ce smartphone afin d'avoir un thème avant et un thème arrière commun et cohérent. Côté caractéristiques techniques, ça embarque de la 4G, un écran 5,2 pouces en 720p, ainsi que 16 Go de stockage extensible avec un port de micro SD. Quoi, ça rime, c'est pas beau ça. Caméra arrière de 8 millions de pixels, caméra avant de 5 millions de pixels. La caméra arrière, c'est ce qui se fait aujourd'hui sur les smartphones entrée de gamme. On va pas s'attendre à du super haut de gamme, donc ça suffit largement. Et je pense que la cible qui achètera ce téléphone n'est pas là à se demander « je veux le meilleur appareil photo du monde ». Non. Voilà, encore une fois, on était dans une configuration salon, du coup on peut pas tester pleinement les possibilités de cet appareil photo. La batterie intégrée est de 2800 mAh, encore une fois c'est une prise en main, c'est pas un test, du coup je peux pas savoir si la batterie tient réellement la journée ou pas. À tester pourquoi pas, si le produit un jour il m'est envoyé chez moi, et ainsi que ça tourne sous Android Marshmallow, ce ne sera pas du Nougat. Du coup c'est la version un peu en dessous, mais encore une fois ce smartphone est dédié à une cible qui très certainement n'est pas super intéressée par les dernières nouveautés high-tech et sorti à ce jour. Alors ça sort quand et à quel prix? Ça sort au mois de mai pour 199 €. Et oui, c'est très peu cher comme petit smartphone et franchement, c'est super fun. Et un autre produit qu'on a découvert ici sur le stand d'Alcatel, c'est une tablette hybride au doux nom de Plus 12 qui tout simplement fait référence à son écran de 12 pouces. Qui dit tablette hybride dit directement la possibilité d'avoir soit d'un côté le mode tablette classique, soit de l'autre côté le mode clavier-tablette, clavier-écran, donc ordinateur. Côté design, ça reste super sobre, c'est de l'aluminium gris pour la partie tablette et du plastique noir des plus classiques pour la partie clavier. Clavier qui fonctionne sous batterie afin de ne pas consommer l'autonomie de l'écran. Cet écran, parlons-en, 11,6 pouces précisément, avec une dalle Full HD, ainsi que bien entendu un écran tactile, mais ça, pas besoin de le répéter. Et il tourne sur quoi ce fameux produit? Sous Windows 10, mode tablette et mode ordinateur. Du coup, si vous avez le mode tablette, vous serez en tablette tactile, et si vous avez le mode ordinateur, vous pourrez soit jauger avec le trackpad et le clavier, soit jauger directement avec l'écran qui restera bien entendu tactile. Mais le vrai plus, d'où le nom du Plus 12, c'est que cette tablette embarque directement eh bien, une connectivité 4G afin de pouvoir lui mettre à l'intérieur une micro SIM pour avoir une connexion de 4G dès lors que l'on part en extérieur. Et ça, c'est plutôt cool parce que au moins c'est disponible et on peut le faire. Au passage, elle est livrée avec un stylet. Si c'est pas beau ça. Niveau batterie, c'est du 6900 mAh. Bien entendu, j'ai pas pu le tester, c'est une simple petite prise en main. Mais voilà, à tester, pourquoi pas sur la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous y êtes intéressé. Ça sort quand et à quel prix? Ça sort cet été pour 599 €. Donc c'est dans la moyenne aujourd'hui des prix pratiqués sur ce type de produit. Mais ici, on a un plus, c'est d'avoir une connectivité 4G. Donc voilà, c'est deux petits produits de chez Alcatel dont j'ai voulu m'arrêter. Ce petit smartphone qui est juste ici, qui a donc un arrière qui fait que clignoter. Donc je pense que lors de vos soirées, ça peut être franchement plutôt fun, ainsi que cette petite tablette hybride qui peut-être peut vous intéresser pour des études ou tout autre petit sujet. Mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler puisque ça sort que dans quelques mois. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce A5 LED, de cette face arrière qui s'allume avec des LED. Voilà, moi je trouve ça super fun à voir après si c'est utile ou pas, à tester bien entendu. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et aussi à lâcher votre petit pouce bleu dans la partie pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.